Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Mais moi, j'ai une question pour toi. What's up? What did you... Je trouve que ça va être peut-être un segment récurrent, mais... Récurrent. On sait jamais, mais est-ce que ça va? Genre... C'est pas un ça va que tu poses comme de façon formelle. Comme, hey, salut, ça va? Ça, ouais. Oui, toi, ouais, non. Ouais. Est-ce que ça va? Ah! Comme il y a des journées pour lesquelles j'ai des gros ups, je suis comme la vie est belle, puis il y a d'autres journées, je suis comme wow, mais il est fadaï, tu comprends? C'est comme je vais pas mentir, là, c'est un truc, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai décidé de prendre un an, c'est parce que. Mais comme, tu sais, j'ai un peu de vidéos, mais comme j'explique, comme j'étais comme ça back then, comme tu sais, j'ai jamais eu de grosses relations avec personne parce que justement, je sais que ça va faire en sorte que j'ai des ups et downs, puis moi, je suis pas capable de vivre genre des ups et downs. Fait que je suis juste comme. Vivre comme ça, puis là cette année j'ai décidé que comme ok, like, if I'm angry, genre je vais être fâchée, genre. Comme, je vais pas commencer à cacher mes émotions, je vais juste comme les vivre à 100%. Si genre j'ai un sentiment fort pour quelqu'un, comme je vais juste comme le démontrer, mais c'est des affaires que je faisais pas avec elle. Puis c'est comme, j'apprends à comme manage les up and down, fait que des fois je suis comme, c'est tough, là, je vais pas commencer. C'est tough, mais honnêtement ça va. Comme j'y pense, puis ça va mieux qu'avant. Parce qu'avant, le fait que je sois comme ça, j'étais jamais fully happy. Okay. Puis j'étais jamais comme cœur du monde autour de moi. Comme je savais pas garder contact avec mes amis, relation amoureuse. Comme je sais pas montrer mes sentiments, je sais pas comment m'attacher. Je suis genre à comme si je me rencontre trop fort, ben je vais juste partir. Parce que je pensais que ma vie soit comme ça, ça qui est managé. Fait que. Ouais, je pense que comme. C'est un oui ou non, mais la vie, comme tu peux pas juste dire oui, ça va. Comme, non, mais ça, je te dis. Ouais. Comme si c'est un vrai ça va, comme deep. Si quelqu'un fait juste dire oui, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître. Non, mais c'est le but du segment, ouais. Est-ce que ça va for real? Parce que tu sais, des fois, on prend des nouvelles, est-ce que ça va et tout. Non, mais est-ce que ça va for real? Mm. Des fois, la personne va dire non pour ça se passe pas en ce moment. Mais comme. Et ça, je te dis déjà, la question va pas revenir de mon bord pour l'instant. Alors. Tu peux pas renvoyer la question. Why? C'est comme ça la chum. Mais, c'est quand t'as eu cette transition là, de justement, tu t'es dit que tu veux vivre tes émotions et que tu veux pas garder ça pour toi. Est-ce que c'est quand t'es arrivé au cégep? Parce que moi, personnellement, j'ai vu que t'étais pas pareil du secondaire au cégep. Quand t'es arrivé au cégep, justement, t'étais plus outgoing et tout, mais c'est peut-être une autre place dans ta vie, donc c'est honnêtement, je pense que la raison pour laquelle j'ai changé au cégep, comme pour le domaine de secondaire, c'est un stress. Tu sais, tout le monde essaie de comme rentrer dans un fit, d'essayer d'être aimé puis tout. Puis je vais pas mentir, je faisais partie. T'as switch le bonhomme, peu importe. Comment j'ai switch? How? I was a beige before, but who cares? Oh, ok, non, c'est l'habitude. J'ai dit c'est mon bonhomme. C'est mon bonhomme. Ok, that's you tricky. Mais ok, mais c'est ça, puis le fait que, je dis pas que tout le monde est pas différent, mais comme je sentais que j'étais différent un peu comme de l'entourage avec lequel j'étais, et à cause de ça, je me suis renfermée, puis au lieu d'en parler avec une autre, me dire que, hey, il y a tout le monde aussi qui sent comme ça, je me sentais comme l'exception, fait que je me renfermais à l'instant, comme, si je me croisais dans les corridors, soit j'avais mes écouteurs, ou bien comme, I was speaking joyfully with my friends, parce que j'avais quelque chose genre deep down, fait que le fait que je suis allée au cégep, j'avais plus de repères, j'avais pas le choix d'être envers ma soeur, fait que j'ai pas eu le choix d'apprendre à me connaître et travailler sur ce que je pouvais pas travailler au secondaire. Ok. Puis le fait qu'en plus, comme au secondaire, au secondaire, on t'apprend des trucs de base, mais t'arrives au cégep, tu dois te découvrir. Le cégep, c'est fait pour ça. Oui. Fait que, c'est une bonne soufflette. Une belle soufflette. Mmh, exactly. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de comme faire. Comme au secondaire, genre, tu sais, j'avais plein d'amis pis tout. Mais quand on me demandait c'était qui tes amis, je pensais. Je me suis dit c'est pas normal, elles ont toujours été là pour moi. Puis comme j'ai toujours l'impression que je suis détachée d'eux, mais c'est parce que c'était moi le problème. Parce que je voulais pas comme trop m'attacher aux gens parce que j'avais besoin de garder cette straight line. Après ça, c'est comme je serais sane. Puis je pense que pourquoi j'ai décidé de vivre mes émotions cette année, c'est surtout à cause des relations amoureuses que je me rendais compte que même quand j'aimais la personne, comme je faisais tout pour comme fuck up les trucs, c'est juste comme
partir. Puis comme ça, j'ai pas à deal avec des émotions plus deep que comme le rejet ou bien autre affaire comme ça. Fait toi, tu dis si, admettons, il y avait quelqu'un qui t'intéressait, toi, tu préférais fuck up le tout et ouais. revenir à ta vie normale. Exactement, ça. Parce que j'étais heureuse. Je suis comme, j'ai pas besoin d'être quelqu'un qui risque de foutre le bordel, tu comprends? Comme si j'y vais comme ça. Rather, j'ai pas besoin. Comme, moi, la façon que je vois, c'est que je me suis construit comme mon château, ok? Puis je me suis construit mon château avec comme la part du temps, c'est mes mauvaises expériences de la vie. Puis je suis comme, j'ai quand même réussi à faire un beau château. Puis je suis comme, si je laisse quelqu'un rentrer, puis c'est un intruder, genre, il fuck up tout, comme il casse mon château, je vais recommencer à zéro, je vais être mal parce qu'à la base, mon château, il était pas fait de comme. De bonnes choses. Je l'ai construit, hein, puis j'ai créé une bonne chose avec quelque chose de mauvais en partant. Mais c'est pour ça que je laissais pas les gens rentrer. Puis. Parce que je me suis rendu compte que, comme, on me posait des questions comme, oh, qu'est-ce qui arrive si tu meurs demain? Comme, tu sais, tout le monde paniquait, puis tout, puis il y avait moi qui était comme, je m'en fous. Que ça donne. Ouais, parce que, comme j'avais pas de stimulation, j'avais rien, j'étais comme ça, puis j'étais comme, oh, le fada à die, tu comprends? J'ai rien en tant que tel dans ma vie. Je me sentais pas rapprochée de personne. J'étais comme, à part ma famille, j'étais comme, ok. Mes amis sont là quand j'ai besoin d'avoir du fun, I guess, mais je me rendais pas compte que les relations, comme. Les relations, tes up and down, tes mauvaises journées, tes bonnes journées, c'est ce qui fait en sorte que, comme. You wanna live. Alors, ouais, c'est pour ça cette année, j'ai fait, ok, Christelle, prends tes L. Sois fâchée quand t'as envie d'être fâchée. Cry when you wanna cry, ça c'est un truc comme pour de vrai là. Je peux être triste pendant une semaine, c'est comme dimanche je vais pleurer. Okay. Dimanche je vais pleurer. Fait que toi tu dis quel jour tes sessions de bébé Lala. Exactement. Et là tu te dis, laisse-moi m'asseoir puis verser une petite tear. Ah ouais, exactement, mais c'est vraiment sans passage comme ça. Là, tu mets Jocelyn Flores. Non mais, tu dis ça mais comme, est-ce que je suis comme interrogation mark? Non, c'est. Question mark? Question mark, ouais. Mais ça, c'est 17, non? De quoi? Jocelyn Flores. Non, je sais, mais quand j'écoute. Non, quand j'écoute, comme vraiment cet album-là, l'album que j'ai choisi. Comme Change, puis Remedy of Broken Heart, comme. Puis même, genre, le refrain de Infidelity, comme c'est des affaires qui viennent me chercher, parce que je suis comme. Fait, c'est pour ça que la musique, pour moi, c'est aussi important, parce que c'était mon refuge. Quand j'avais besoin de vivre mes émotions, j'y vivais. À travers la musique. Okay. Ouais. Donc là, dans le fond, avec tous ces outils-là, mm-hmm. qu'est-ce que t'as fait? C'est que, tu pour revenir avec l'analogie du château tantôt, c'est que ouais. tu t'es dit à la place de dire, hey, je laisse personne entrer dans mon château pour qu'il fuck up, tu t'es dit, laisse-moi arranger mon château pour qu'il soit ouais. strong. Et quand quelqu'un rentre en dedans, il peut pas péter ma maison. Là. Exactement. Puis au lieu de me dire que la personne va rentrer, sa première intention c'est de péter, c'est peut-être l'enrichir, le rendre plus joli. Mettre des décorations. Et je suis venu faire un job de peinture. Alors, j'ai vu que le plafond, il était un peu pas solide. Fait que je vais vous réparer ça, le plancher. Je fais ça pas cher. Exact. Non, mais for real, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est pour ça. Ah, nice. Ouais. C'est-tu à ton tour ou c'est à mon tour? What you trying to do? I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?